Attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre la t-shirt de chez le coiffeur là, avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un afterwork. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et bah on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça, mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Loeb, tiens. Bam 360, mon gars. Bam, il tout. Oh putain. Salut. 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 J'en ai tué 12. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça sera le point, ça sera... Si veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, ah ah. Alors je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. La boîte, tu veux monter? Let's go. J'active encore quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, en partant là, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Eh bah allez, on du mal à s'y faire. Allez, ça y meurt. What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Ça casse la porte, quoi, on va mettre du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse la main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. L'enfer. Bip 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 bip. Victoire des défenseurs. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bon.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce 31 juillet, comment allez-vous? Il n'y a plus personne, tout le monde est en vacances, voilà quoi, hein, on le sait, de toute façon vous êtes tous partis en vacances, bande de salauds. Il ne reste plus que bah, les vrais travailleurs, quoi, hein, tout simplement, hein, on va pas se mentir, les vrais de vrais sont là, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pendant que je suis en train de cramer mon tapis de souris, bougez pas parce qu'il y avait des petits, hop là, petit coup de briquet, hop là. Voilà. Ça va tout le monde? Bonjour, bonjour Cédric Vaux, bonjour Mister Frex, bonjour Nicolas, bonjour Jay, bonjour Alonide, bonjour Meigu, bonjour Cédric Vaux, bonjour Zerosk, bonjour Rain Rose, Hypnotique, Kuroko, Amnésie, Jérémy, Mister Frex, Cost, Meister, Denver, Ziggs, what the fuck, Vincent, Athos, 57, 0, 50, bonjour Driptic, merci à toi pour les 25 mois déjà que tu payes au sein du campus de la Salty Academy, poulet. Vous êtes des monstres. Bon alors, quoi de neuf? Rentrez. Ah, bon alors, bien ou quoi? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez passé un bon dimanche? Hein? Vous avez fait quoi de votre dimanche, les amis? Vous avez fait quoi de votre dimanche, les amis? Vous êtes touché un peu, non? Vous avez rien branlé, avouez. Avouez, vous avez rien foutu. Bon, moi, je suis allé voir Oppenheimer. On en parle ou quoi? Pendant que je mets de la musique. Charbon pour la SA. Merci, Amnésie. Travailler. Tu t'as bossé le dimanche, tu fais quoi, Meigu? Rien foutu. Ça, c'est un vrai dimanche, ça. Je suis allé voir Oppenheimer. Alors? Yo, Axe Dunks. Que du R6, l'homme le plus sexy de la galaxie. Ah, merci. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, off. Je me suis reposé après samedi, perso. Bah, tu m'étonnes. Je travaille dans un Quick. Quick le dimanche, c'est mieux Quick ou c'est mieux McDo pour y travailler? Match de tennis. Ok. Le renifleur. Ah non, l'enfileur de perles. Ok. Full pignouf. Bah, normal, quoi. Incroyable film, vraiment. Mais 3 heures dans une salle non climatisée, c'est long. J'ai lu tes tweets sur Oppenheimer et je me suis dit exactement la même chose. Ah, je le savais. On est connectés, les amis. Ouais, franchement, Oppenheimer... Merci, Driptic, d'avoir offert la possibilité à Flappy Show. C'est 35 mois de frais de scolarité. Vous vous connaissez ou c'est un truc random que tu viens d'offrir, Driptic? Parce que tu as quand même offert le droit de scolarité à la personne qui était avec moi à voir Oppenheimer hier, à savoir Flappy dans le chat. Merci, c'est drôle. Merci Sticker pour les 3 mois de frais de scolarité. Un monstre. Vraiment. Je suis venu car je fous rien. Mais t'as raison, Costanix. Hein, voilà, pur random. Ah ouais, bah c'est marrant. Déçu MDR. Bah en fait, on me l'avait tellement vendu. De ouf, Oppenheimer, qu'au final... Ok. C'est un bon film. Déjà, inutile de dire que c'est un mauvais film, quoi. C'est un bon film, voire un très bon film, quoi. C'est vraiment pas mal parce que ça met un accent tout particulier, ça vient pointer un élément historique important, quoi, sur l'utilisation de ça nous fait nous questionner sur pas mal de choses, sur l'utilisation de la bombe atomique ou de la bombe H, enfin voilà quoi. On parle bien évidemment du macartisme. Alors je sais pas si pour des Français c'est aussi peut-être que pour les Américains c'était beaucoup plus parlant, quoi, c'était plus intéressant entre guillemets, quoi. Donc, en vrai, j'ai bien aimé, quoi. Mais à la fin du film, je me suis dit... Je sais pas. Pourquoi je suis venu le voir au cinéma, en gros? En gros, c'était un peu ça, quoi. Le truc que je me suis demandé à la fin, c'est pourquoi est-ce que je suis allé le voir au cinéma, quoi. En vrai, je l'aurais regardé dans le confort de mon canapé. Au moins, j'aurais pas eu mal au dos parce que je suis resté 3 heures sur des sièges pas ouf, quoi. Alors moi, il y avait la clim, mais ça reste des sièges, bon... ça reste des sièges de ciné, quoi, bon. C'est la version confortable pour moi de rester 3 heures dans un avion, quoi. Donc c'était bien. C'était un bon film, quoi. Mais j'avoue que je m'attendais un peu à une espèce de montée en puissance, ok, et sans pour autant aller... Sub un mois de plus, merci pour ce que tu fais, je te kiffe. Merci Romanticitox, merci Striker by the way. Des monstres, les poulets. Et merci Driptic encore, t'es un monstre, vraiment. Ouais, quitte à passer... je sais plus ce que je voulais dire. Putain, tu m'as coupé, Romain. Va te faire enculer.
Ah, ça nous fait questionner sur beaucoup de sujets et comprendre les enjeux de la création de la bombe atomique. Je trouve ça super intéressant. Mais ouais, 3 heures au cinéma sur des sièges dégueulasses, c'est mieux chez soi. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça, ouais. Et puis même si je n'avais pas en fait envie d'aller voir un film, je savais à peu près à quoi m'en tenir. Mais j'avoue que j'avais un peu une volonté d'avoir... on m'avait un peu vendu sur les derniers mois une énorme explosion. Il y avait une partie effets spéciaux, il y avait une partie grandiose à laquelle je m'attendais, quoi. En me disant, waouh, il va y avoir une montée en puissance. Et cette montée en puissance, je vais quand même si bon, on va pas me le vendre en disant, waouh, la bombe atomique, c'est trop fort, regardez le champignon, c'est magnifique, plein de gens crèvent, on adore. Mais je m'attendais quand même à un truc en mode... Je sais pas. Je m'attendais un peu à ce qu'incarne la bombe atomique au final. À savoir... Tu aurais dû regarder Barbie Kappa. Ouais. À savoir... En fait, j'ai l'impression... Alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais bon. Je fais gaffe. Bon, quoi que choquer, je m'en bats les couilles, mais... Je cherche. On a vachement mis en fait la majeure partie du film retourne sur le pourquoi la bombe, pourquoi est-ce que, enfin, quelles sont les problématiques que ça peut soulever, etc. Machin, truc bidule. Mais j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de ce côté extrêmement malsain, de cette espèce de curiosité macabre qu'il y a en nous. Qu'on n'ose pas vraiment dire que au final, il y a un truc presque beau derrière la bombe atomique. Plutôt que beau, il y a un truc fascinant en fait. Et pas forcément dans sa capacité à détruire. Mais on a tous regardé des images de bombes atomiques en étant fascinés au final. Époustouflé par ce truc-là, c'est le cas de le dire. Avec même une certaine vision de se dire « Waouh, c'est pas moche que de regarder l'explosion de la bombe atomique. » Alors bien évidemment, aujourd'hui, tu peux pas en parler avec dans le monde dans lequel on vit. Forcément, on va nous dire « Oui, mais ça tue des gens, nanana. » Bien sûr. Bien sûr. Mais j'aurais voulu qu'on ait à peu près la transparence de se dire que beaucoup de personnes, au final, quand elles pètent la bombe, la majeure partie des humains qui sont, on le voit à un moment, ont envie de voir, ont envie de regarder ce que c'est. 98% des personnes de cette planète, au moment où le truc pète, vont vouloir le voir comme un gigantesque feu d'artifice, quoi. Et donc, je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à un moment, non pas qu'ils mettent en avant vraiment le bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima, mais au moins l'explosion dans le désert, je m'attendais à un truc pendant 15 minutes à en prendre plein la gueule, quoi. Alors, il y a une montée en puissance, etc., qui est très bien faite de la part de Christopher Nolan. Mais une fois de plus, j'ai trouvé que ça faisait un peu comme Dunkerque, quoi. Où de temps en temps, il y a... pendant 10 minutes, et au final, au bout de 10 minutes, qu'est-ce qu'il est parti faire, le mec? Il est parti chier dans les dunes. Et tu fais, what the fuck? Tu vois, ok, non, c'est pesant. Mais le mec, il va juste chier dans des dunes à un moment, tu vois. Et tu te dis, en fait, il se passe rien, quoi. Tu t'enlèves la musique, là, il se passe rien dans Dunkerque. Et ben là, j'ai trouvé qu'il y avait des moments, c'était un peu comme ça, quoi. Si t'enlèves la musique, tu te dis, au final, j'ai juste en face de moi un bon documentaire Netflix, quoi. Avec du recul, c'est vrai que c'est fou que tout le monde soit autant fasciné par l'arme nucléaire. Mais c'est normal, je pense. T'as vu la vidéo sur le parfait timing de paix sur le film? Non. Non. Fascinant, en se disant que l'homme est capable de faire des choses comme ça. Au-delà du côté moral, c'est une prouesse. Je pense, ouais. Et ça, au final, on n'en parle pas. C'est pas assez mis en avant. J'aurais voulu qu'ils mettent un peu plus en avant ce côté un peu macabre de nous, de se dire, c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est dingue.
C'est fascinant, c'est... Et l'explosion en elle-même, à partir du moment où elle ne tue personne, c'est presque artistique au final. Je vais loin, mais... Les gens sont fascinés par l'arme nucléaire, mais pas par les centrales nucléaires, c'est fou. Mais justement, mais je pense que... Derrière, le premier truc de fascination, et en particulier, c'est peut-être un peu sexiste, mais peut-être plus pour un... Peut-être plus pour les hommes que pour les femmes, je sais pas en fait, mais c'est... C'est qu'on est un peu tous... Des enfants, quoi. Et c'est un grand boom. Tu vois ? C'est un gros boom, tu vois ? Ils regardent... Quand tu les vois regarder ça dans le désert, au final, ils le regardent tous comme des gamins qui mettraient un pétard dans un baril. C'est les mêmes. Ils ont juste un baril qui est plus grand et un pétard qui est plus gros, au final. Et c'est ça, en fait. Moi, au moment où il y a l'explosion, etc., et quand les mecs sont en train de la regarder, la machine et tout... J'ai juste l'impression de voir une fois de plus des grands enfants avec un gros pétard, quoi. Et j'aurais aimé qu'on mette encore plus l'accent là-dessus, au final. Sur ce côté, peut-être un peu... cette curiosité macabre. Bon, je vais peut-être trop loin. Vas-y, allez, on va aller vous faire enculer. Je vais jouer à Rainbow Six. Merci Satfaction pour les 2 mois. Merci Lucas pour les 35 mois. Romain Titix pour les 1 an. Vous êtes des bons, ces amis. Vraiment. Vas-y, je lance RC, de toute façon, on peut pas discuter avec vous, vous en avez rien à prendre. Je te prends en VS6. Ouais, ok, moi c'est ta mère que je prends en VS, ok. Un V1, je la backstab, mon gars, je plante le diffuse. Terminé. Je me casse, j'ai clutché. Au revoir. Ça va tout le monde? Yo, comment ça va, DizX? Et merci à ceux qui ont payé leur droit de scolarité, vous êtes des bons, ces amis. Bref, je joue un peu, après on ira voir la vidéo de Flow Up, comme ça je pourrais faire un petit react et je la mettrai sur la chaîne YouTube. En fait, c'est pas le fait que ça tue qui fascine, mais tout ce qui est à côté, parce que ça a été fait, comment ça a été fait, etc. Je suis absolument d'accord avec ça, en fait. Ouais. Ouais, la... Ouais. Néanmoins, je reste sur le fait que j'aurais préféré à un moment une explosion où j'en prends plein la gueule parce qu'on me l'a un peu vendu. Bêtement. Même si c'était pas la raison pour laquelle j'allais voir le film, mais c'est pas pour autant que ça en fait un film de merde. Et que du coup, comme il n'y avait pas ce côté un peu époustouflant que j'aime voir au cinéma, bah je me dis, ce genre de film, j'aurais pu le voir sur Netflix. J'aurais été dans le confort de mon canapé, j'aurais pu faire pause au bout d'une heure trente, me faire un café, et voilà quoi. Déjà 17 mois, let's go. Merci Neyoxy pour les 17 mois, t'es un monstre poulet. 6-4, tu m'as chauffé avec FlowUp, j'ai pris un PC, jouant en avance sur Xbox, je trouve le clavier tellement infâme à prendre en main, par rapport à la manette où tout est beaucoup plus simple. T'as acheté un PC sur FlowUp là? T'as utilisé mon code au moins? T'as 40€ en moins. Il vaut pas le coup au ciné. Si, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont pas du domaine de l'époustouflant, mais qui sont très propres à Christopher Nolan, de créer une atmosphère, un truc. T'en prends plein la gueule à certains moments, quoi. Mais attention, parce que t'en prends plein la gueule, c'est pas Avengers, quoi. C'est pas des effets spéciaux où t'en prends plein la gueule. C'est sur la construction des choses. Voilà, genre, à un moment, sans spoiler, le mec, Oppenheimer en l'occurrence, doit faire un discours. Et forcément, au moment où il fait le discours, il a des flashbacks, quoi, par rapport à ce qu'il... Il se dit, j'ai fait un truc de ouf, mais en même temps, il imagine un peu ce que ça a donné du côté du Japon, qui doit pas vraiment kiffer, qui doit pas avoir la même vision de ce que c'est la bombe pour eux, tu vois. Et donc, il a ses flashbacks, et ses flashbacks sont assez intenses, et au cinéma, ça se ressent bien, quoi. Mais d'un autre côté, ouais, je me dis, ouais, j'aurais pu le regarder chez WAM, quoi. Et qu'un 5.1, tranquille. Je trouve que le côté moral et les regrets que Oppenheimer ont, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, car justement, il a eu cette curiosité morbide de vouloir faire cette bombe, mais dès qu'elle a été utilisée, il a eu son lot de regrets. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, ce côté-là de l'humain. Bah, a-t-il eu vraiment des regrets ?
Ou est-ce que au final, il n'a pas essayé de se faire passer comme on essaie de le faire penser dans le film pour une sorte de martyr? Parce que si t'es un martyr quelque part, c'est ah mon Dieu, je n'étais coupable de rien. Moi-même, j'ai voulu mettre en place. J'étais même presque pour faire en sorte que la bombe ce soit de l'open source, en gros. Que tout le monde y puisse y avoir accès. Parce que, voilà, moi je fais une bombe non pas pour qu'elle tue, mais je fais une bombe pour que derrière, on puisse discuter de la régulation du nucléaire dans le monde. Se faisant donc passer un peu pour une victime, quoi. J'aurais préféré le voir en IMAX pour voir le réel potentiel du film. Pff, je pense que ça change rien du tout. La bande son rend un bon effet au ciné aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un moment où au final on suive un peu l'évolution de la bombe. En mode, il fait des tests. Et à chaque fois, tu vois, je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Genre, essai numéro 1, ça pète un petit peu. Waouh, gna gna gna, 5 tonnes. Gna gna gna, 20 kilotonnes. Hein, 20 mégatonnes. Et à la fin, donc du coup, tu tombes avec ce truc 20 mégatonnes. Où... avec les images d'archives qu'on a tous vues, là. Parce que, bah voilà, Là, il fait péter le truc dans le désert, tu vois. Bon, y a rien, tu vois. Y a pas le truc qu'on a vu, là. Ces maisons qui sont soufflées et... C'est impressionnant, époustouflant. Et ça, j'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu voir ce truc-là, cette reconstitution de cette explosion, d'être vraiment waouh, subjugué par ce côté malsain. Enfin, ce côté mal... impressionnant, mais à la fois dans le bon et le mauvais sens du terme. Impressionné parce que c'est un gros feu d'artifice, mais aussi dans le... apeuré au final, effrayé par le pouvoir de la chose, quoi. Alors que non, alors qu'il n'y a qu'une seule explosion et qu'elle pue la merde, en fait. Voilà. Si tu devais créer un agent R6 en attaque, tu ferais quoi, Six? Je l'appellerais Oppenheimer. Il arrive. Tu vois, il fait 5, 4, 3, 2, 1. Villa terminée, au revoir. Il n'y a pas de diffuse à planter si... On ira la voir ta... What the fuck? On ira la voir... Je suis désolé, je suis pas chaud. On ira la voir tout à l'heure, la vidéo de French Hardware. Go, go. I will make some noise. Go, Ibana. Bonjour, prof. One volt. Merci évidemment Saint-Hubertus pour les 6 mois de frais de scolarité. Merci Néoxy pour les 17 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Oh, on parlait de Oppenheimer. Et on ira voir tout à l'heure la vidéo avec French Hardware. À la fin du... Quelqu'un peut nous envoyer sur Discord le lien de la vidéo?
Mais Amnésie, tu devrais être... Il devrait être... modérateur, surveillant ou quoi, lui? T'as une astuce pour la décale sur la gauche, Six? C'est chaud. J'ai une astuce pour la décale sur la gauche. Non. Juste, je veux savoir, il y a que moi qui trouve le rework de consulat bien bien claqué. Ah, moi, je le trouve bien bien cool, moi. En revanche, de commencer par Villa en attaque, c'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Mais bon, ça, c'est le truc. Bah, faut s'entraîner, Sean. Hein. T'as pas un conseil pour... 99% du temps, quand vous me demandez, t'as pas un conseil pour... C'est genre pour essayer d'aller plus vite sur un truc au final où vous savez très bien la réponse vous-même, quoi. Faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Et chaque minute que vous passez à demander t'as pas un conseil pour, bah c'est des minutes où vous vous entraînez pas en fait. Oh. À gauche c'est trop chaud pour la position des doigts. Ah ouais mais bon. Imagine à l'époque moi il fallait que je drop shot en étant penché à gauche quoi. Chaque kill fallait le faire en drop shot quoi. Donc j'appuyais sur A, Q et Z. Enfin bon moi je l'ai en AZERTY. Enfin, ou en... enfin je sais pas, c'est un mix mais... Z, je sais plus. Ah bon bref, les trois touches de gauche là. En même temps, avec le même doigt. Bon là t'avais A, Q, W. W je crois. Avec un seul doigt. Genre ça. Ça je viens de le faire avec un seul doigt. Et pourtant j'ai appuyé sur trois trucs. Donc j'arrive ici, je fais ça, je vais me décaler, je suis là, là je viens de faire un mouvement, j'étais là, j'ai fait ça en étant penché, en étant sur la gauche. Donc j'ai appuyé sur A, Q et W. Un seul doigt. T'es pas humain, MDR. Ah non mais c'est juste de l'entraînement les mecs hein. Et si j'ai réussi à le faire à 32, vous pourrez le faire à 18. C'est quand même pas compliqué. Hein. T'as besoin de quelle vidéo de French Hardware? Bah celle où je suis dedans en fait. Non! One dead toilet. He's what? The video? Rotation. Rotation. Sur un 6, faut juste persévérer. Grave. T'as des mains d'ours polaire aussi. Ça a des pattes, des ours polaires, ça a pas des mains. Allez, allez, bam! Ça sert vraiment à quelque chose de rapprocher l'écran ou ça sert pas à grand chose? Bon, faut pas être trop loin de son écran, quoi. Après, il y a un mec qui s'appelait JDG64, quoi. Non, JD64. Il jouait comme ça. Tout le monde croyait qu'il se foutait de sa gueule et tout. Il était vachement bon, JD64. Il était chez Cloud9 sur CS, je crois. JDM64 JDM. Ah, je sais plus. Donc bon, ça veut un peu rien dire, quoi. Mais j'avoue que la plupart du temps, bon, ces positions... Moi, je suis à... Ouais, ça de mon écran, quoi. Ça doit faire quoi? Moins de 20 cm, je pense. La vidéo sur les mini PC, t'as besoin? Qu'est-ce qu'il raconte? Amnésie, qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète, Zeros va s'en occuper, je pense.
On a zéro contrôle. Ah, pourquoi ça m'a freiné l'alarme là? Oh putain, elle fait trop peur. Elle est où cette alarme de merde? J'ai pas le droit de louper ça! J'ai pas le droit de louper ça! Six qui devient H-Main inquiétant, tu es sûr que tu vas bien? Ouais, parce que c'est nos prises de tête, H-Main. Pourquoi utiliser le silencieux pour le bruit? Ouais. Bah pour pas que les gens voient d'où tu tires quoi. En vrai vous embêtez pas trop avec les embouts les mecs. Tiens on va utiliser Sorn. Sorn. Je te viens de te l'envoyer sur Discord. Merci Jay. Je regarderai ça tout à l'heure. À la fin de la game là. Je ferai un petit react de la vidéo. Comme ça, s'il y en a qui ont des questions sur les PC. Merci beaucoup, Mister Dabou. Merci pour les 15 mois, mon poulet. Bonnes vacances, enfoiré, ouais. J'ai encore un mois, moi. J'ai encore un mois à tenir, là. Là, j'aurais dû prendre Azami, je suis... Code il est au 6, c'est 6-4 le code. Pseudo 6-4 quoi, normal. One 90. Ah ouais, on en est là. Can I break this? Here, bro. À me dire que ça push dans le 90 là, fils de pute, voilà pourquoi je te dis de péter le fucking bas du truc là, putain de débile. Hein? Vas-y, laisse-moi bien mourir, c'est ça le but du jeu, c'est que tu fasses ton kill toi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Gros débile. La vidéo était non répertoriée, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Ah! Peut-être qu'ils doivent attendre les correctifs avant de la sortir. Yo, Uxito! Elle est vraiment non répertoriée? Mais c'est possible. Les amis, je suis désolé, mais j'ai joué jusqu'à 3h du matin à... Dans tous les cas, le lien en MP Discord. Ouais, ouais, je sais. Mais bon. 15 seconds. Non, Nicolas.
Merci Mister Dabou en tout cas pour les 15 mois de frais scolarité poulet. Yes. Let's go. Trophy Azami. En même temps, je suis pas chaud pour Azami. Azami, j'aime bien la jouer quand je suis bien hot. Oh, je vais jouer ça plutôt. Pas me prendre la tête. En vrai, je trouve le MME pas trop mal, mais le reste vraiment pas incroyable. Bah, oui, bah c'est parfait le MME. Enfin, il y a le TDM aussi. Et je l'ai jamais essayé, hein, le deathmatch. Hein. Yo, turn easy, comment ça va, poulet? I got bomb on fucking 90 window. Nigga down 90. Study, sorry, they came in through study. Bomb outside the window. Mais nique ta mère, toi. Non, mais comment les mecs peuvent mourir, Nighty? Arrêtez de mourir au bout de 10 secondes de jeu, là. Vous donnez pas, bande de trous du cul. Il y a 4 Near Dealing dans le jeu, là. Oh là là, pété par des Silver 2, là. Énerve. Les spawns de la MME sont pas ouf, mais c'est cool pour se chauffer. Oh, bah, le MME, c'est un peu le but, au final, de se chauffer. C'est un peu ça qui est cool, quoi. J'ai même pas envie de rester sur site. Vas-y, on va prendre ça, on va se casser. Ah, j'avais... ah oui, j'avais déjà le silencieux là. Est-ce qu'il y a un... Turn easy. Allez. Bah forcément on n'a pas joué samedi, on n'a pas joué dimanche. Bah voilà, je joue des drones de merde quoi. Comme d'hab. Ça a l'air mieux. Il faut une petite heure quoi. Et tout ça. Il y a des mates consoles sur le Discord, c'est-à-dire. Electro sensor active.
Salut 6, comment ça va? Ça va, poulet. Ouais, c'est toujours pareil, j'ai pas joué samedi avec les soldats duels. Hier, j'ai pas joué parce que c'était le dimanche. Merci Enzo pour les 7 mois. One or 290. Ta mère, franchement, c'est ouf, hein. Ça va pas passer. One toilet, toilet, toilet. On my ping, go. On va pardonner des calls. C'est ça de lancer sans se chauffer aussi. Ça calme lui. Quand on y pense. Yo Jones, comment ça va poulet? Stairs, ping 3. He's got the cam, hein. Mute. He's Astro. Astro. Time expires in 10 seconds. Toilets, toilets. 5 seconds left. Nice. Je suis bon à donner des colons. Tu joues à d'autres catégories que la FPS? T'étais pas là la semaine dernière? Pas besoin d'échauffement pour les Tchad. Justement, il faut des échauffements pour tout le monde. Besoin d'échauffement pour tout le monde. Yo Artox. Yo Tisma. Tout le monde a besoin d'échauffement. Surtout moi. Surtout quand t'as pas joué depuis vendredi. Non, j'étais en vacances. Ah. Bah la semaine d'avant. Putain, qu'est-ce que j'aime pas jouer Villa, bordel. Ça avance Jagged. Ouais bah j'y ai joué jusqu'à 3h du mat comme un gros geek. Où je peux trouver ton code 6 pour Flowep? Le code c'est 64. SXQATRE. Tu pars cette année 6? Ouais en Suisse normalement. Début septembre. 28 août, 8 septembre les vacances. Avec le mec du Mexique? Avec Yayo.
part chez Nano en Suisse. Ouais, il se peut que je le vois en plus. Je me rappelle plus du nom. Mais le jeu, ça devait être Ready or Not ou Six Days in Fallujah, je pense. Et Ready or Not, apparemment, il y a des mises à jour. Le truc, c'est que en règle générale, je fais moins de R6 sur les 3 mois sur lesquels R6, c'est moins intéressant. Et en particulier, novembre-décembre. Donc souvent, en novembre-décembre, je suis en mode relax. Et c'est là que je vais jouer à du Six Days in Fallujah, Ready or Not, ou voilà quoi. Et ça me permet au final de reprendre un an de mise à jour, en fait. Exporte en cours de la vidéo, elle sera up sur YouTube ce soir. Ah oui, ok. Parfait, poulet. Pour les solitude duels, on est en train de parler. Merci, MZ. Main stairs. I'm in red. Mais what? Mais faut prendre les balles à un moment! C'était pas son holo quand même! Putain, elle a eu le timing et derrière je me fais péter comme une merde quoi. Qu'il est touché. Vol, de blitz. Inside the vault. Blitz is inside vault. C4 from under ward. T'as raison. Vas-y. What the fuck, elle a pas pris. On est d'accord que sur le coup de pistole, je sais pas où sont passées mes balles quand même. Oh là là, le Warden.
Aïe aïe aïe. C'est le Warden qui sait pas à quoi ça sert son flash. Ses lunettes, je pense. Aïe aïe aïe. Et petite dernière. Et après, on va regarder la vidéo. Flowup. French Hardware. Cette équipe de bras cassés. Ça va, ça gagne. J'aime bien R6 quand même. C'est un jeu de merde et un jeu exceptionnel à la fois. Non ? Qu'en pensez-vous ? Oh mais attends, j'ai des trucs là. On va aller open this. Open this, 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 this. Oui ! Ok, let's go. Prédiction les amis, en haut de l'écran. Quelle est la couleur du pack ? En tout cas, les plus gros cas sont sur ce jeu et Valo. Mais non, mais ça, vous dites ça. Et après, c'est parce que t'as joué à mes jeux à League of Legends et Rocket League. Prédiction, les amis, en haut de l'écran. Doucement, Rocket League, c'est très bien. Non, mais c'est la communauté qui est pas bien. C'est la communauté la plus toxique au monde, Rocket League. Après, le jeu, il est cool. T'as pas ouvert de violet ? Non. Vous pensez que c'est quoi, ça ? Moi, je pense que c'est légendaire, les amis. Pour me remercier. Allez, bientôt les 2000 abonnés. En parlant de PC, si vous voulez me voir me monter mon PC en live, bah, je montrerai ma future machine. Petit PC à 5000 balles. Oh, il va être chouette. Avec ça, on aura 144 FPS sur Rainbow Six. Vous voyez la prédit, j'ai rien qui s'affiche. Ça vient de s'afficher, le potier. Mais c'est parce que t'étais pas sub. Alors que normalement, t'es sub. Tu vas faire gagner l'ancien. Ah, 10x, 10x, 10x. Prends un sub déjà, fils de pute. Ok ? Après, on en parle. T'as cru quoi là ? J'étais Kameto ou quoi ? La communauté Rocket League est complètement morte. Il n'y a que l'e-sport qui tient ce jeu. Ah ouais ? Mais tout le monde dit ça. R6 c'est mort, la communauté Rocket League c'est mort. Machin c'est mort. Merci Dr. Bears d'avoir offert à Dizik ses droits de scolarité. Putain. Ça veut un PC à 5000 balles, c'est pas capable de payer 3,99. Bravo. 89. Sur du violet, c'était P6. Eh, l'autre jour, on m'a dit que mon short bleu, il était pas beau. Du coup, j'en ai pris un autre. C'est mieux ou quoi, ça? C'est un short en... Il y a un petit nœud. Ça va? Parce que la dernière fois, on m'a dit que j'avais pris 40 ans. Ça fait jeune homme. Ah, voilà. Bah, écoute, si ça me permet de me faire sucer... Ah, non, je déconne. Un short Patrick. Comment ça, Patrick ? Ouais, il est beau. Short gris, les filles aiment bien. Ah, mais je sors pas de chez moi. C'est un truc pour les riches, les subs. Qu'est-ce que tu racontes, Faon ? J'aurais bien voulu, mais c'est la Hesse. Promis, je vais me sub prochainement. Ouais. On va rejoindre BD Hesse. Merci, Dr. Bears. Un monstre poulet. Du coup, elle est finie, la prédiction ? 3, 2, 1... Légendaire. Oh, ça c'est le Black Ice. Il arrive. C'est le Black Ice. Écoutez le son du Black Ice. Black Ice. Black Ice. Ça c'est un Black Ice. Est-ce que c'est un Black Ice ? La prédiction c'est Black Ice. Moi je vous dis c'est un Black Ice. Vous me devez tous 5 subs si c'est un Black Ice. Prédiction en haut de l'écran, en avant. Black Ice, les amis. Ou Oil Spit. Ok, 5 subs. Putain, la vache. Faites que je puisse manger ce soir grâce à Ubisoft qui va me donner un Black Ice. Skin de tête. Pff. En haut d'écran, les amis. Prédiction. T'as mis 100k sur... Non, j'espère que tu vas perdre.
J'ai trop hâte que vous perdiez. J'ai tout claqué pour mettre des bans. J'ai plus rien. Bravo, Uxito. Bah alors, la belle mentalité, ça. Merci infiniment PS93 pour les 17 mois de frais de scolarité. Un monstre. Vous êtes prêts ou pas? C'est fini la prédit ou quoi? Prends un sub, t'auras pas de peur. T'auras pas de pub. Exactement, prends un sub. Mais il peut pas le savoir parce qu'il a la coupée publicitaire qui se termine dans 25, 24, 23, 22... 21. Les gars, dès qu'il y a 20 secondes qui se passent, vous écrivez tous un truc de ouf, genre 17, 16. Vous mettez « Wow, incroyable, boah, franchement 6-4, ça fait trop plaisir, oh, félicitations !» Genre un truc de ouf, vous voyez ce que je veux dire? Dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà les gars. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ça. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ça. Et je crois que c'est la plus belle... voilà quoi. J'espère que vous êtes là. Je suis content que vous soyez là pour le partager avec moi. Merci. C'est la plus grosse annonce. Vas-y, là, il mente, c'est pas possible. Oh fuck, il y en a qui mentent. Ils avaient la pub, j'avais marqué coupure publicitaire. Aïe aïe aïe. Avouez, avouez les amis. Avouez, il y en a, ils étaient en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous tapé la pub. Ah, je déconne, il n'y a rien, il y a zéro annonce. C'était juste un gros prank. Ceux qui ont eu la pub, vous êtes fait bien pranker la gueule. 3, 2, 1, la caisse. Franchement. Moi je préfère à Black Ice. Je le trouve trop beau. Mais c'est pas Black Ice. Franchement, c'est le plus beau des skins quand même. Je le mets. Il y a des gens qui se sont fait pranker là ou pas sur la pub? Non? Plus 11k. Ouais, mais en même temps, bravo. Mais en même temps, Bravo Pack, c'est débile de voter Black Eye sur le Bravo Pack. Parce qu'il me semble que sur Bravo Pack, t'as pas le droit d'avoir des doublons. Or, je pense que j'ai les Black Eye sur tout, en fait. Oui, moi, je l'ai eu. Non, j'ai sub. J'ai eu un sub juste avant. Ouais, on le sait. Ouais. Ça m'a juste rappelé que je suis plus sub. Ah ouais, Scourton, là, qu'est-ce qui t'arrive, là? Oh yo yo, merci infiniment Junes, envoyé plein de GG, plein de cœur. Il offre la possibilité à Oadox, Lurde, Zae, US Finchi et FSD31, leur droit de scolarité. Envoyé plein de GG, merci PS93 encore pour les 17 mois, t'es un monstre. Plein de GG, plein de cœur pour Junes. Et du coup, j'attends encore le processeur pour mon PC. Et une fois que j'ai mon processeur, bah si on a le sub goal, en avant. J'aimerais bien faire ça avant de partir en vacances fin du mois. Si tu finis MVP sur la prochaine, je te donne 5 subs. MVP de mon équipe? Ah, j'aime pas les trucs comme ça, là. Mec, j'ai pas joué samedi, j'ai pas joué dimanche, quoi. Cacao, quel trou du cul. Les héros, ça reprend en septembre. Ouais, peut-être, je sais pas encore. On verra ce qu'on fait en septembre. Déjà, il y a beaucoup de trucs qui m'arrivent en septembre. Il y a un truc pour les consoles qui arrive en septembre. Voilà, j'en dis pas plus. Il va y avoir très certainement un Yungtis Royal qui va être début octobre. Puisque fin octobre, il y a la Louvre.
Et la Louvard, elle est plus grosse que l'année dernière. Et elle n'est pas à Charleroi. Là, c'est la Louvard Infinity. Et voilà. Tu as donné des infos sur le PC ou tu attends le live? Quel PC? Lequel? Parce que là, il y a mon PC dont on est en train de parler qui est en haut. Là, ça, j'ai acheté tous les composants moi-même, etc. Je le montrais moi-même, quoi. Ça fait super longtemps que je n'ai pas monté mon PC. Genre from scratch, parce que l'autre, avec la tour... Bah, le dernier, ça devait être le PC de stream, je pense. Et ça devait être déjà il y a 4 ans, je pense. Et la dernière fois que j'ai dû ouvrir le PC, bon, à part pour le dépoussiérer tous les mois à peu près, quoi. Mais ça devait être pour mettre la 3080. Donc ça date quand même, hein. J'ai remplacé la 2080 Ti par une 3080 et la 2080 Ti, du coup, elle est dans le PC de stream. Voilà. Comment ça, les consoles Six, tu vas bien ou... Bah oui, il y a encore trop de monde qui demande des trucs pour les consoles. Après, on va le faire au mois de septembre. Septembre, c'est pas la meilleure des dates. Mais on avait envie de faire un gros truc quand même, quoi. Voilà. Donc, il y aura quand même très certainement un truc. Faut pas trop attendre la fin de l'année. Septembre, c'est la rentrée et tout. Tout le monde se promet des trucs de ouf. Pourquoi on a 40-80? Ça sert à rien, franchement. Honnêtement, j'ai préféré me refaire mon PC. L'intégralité du PC, sauf la carte graphique. Donc du coup, je vais rester sur une 3080. Et dès qu'il y a la série 5 qui sort, je prendrai une 5090. Ouais, c'est tout. Je voulais passer PC à l'époque, mais trop compliqué de tout réapprendre. Franchement, en un mois, c'est bon, quoi. Donc là, je préfère avoir une bonne base. La base, elle est solide. Hein. La base du PC qui arrive, elle est très solide. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il est tellement fat que ça chauffe trop, quoi. Parce que le 13900K avec une Alim de 1600 watts... J'ai prévu. J'ai acheté une clim à côté. Genre, vraiment... Bah là, j'ai le PC le plus solide du monde, là. Enfin, de série. Après, tu peux toujours overclocker, aller taper du... t'as envie de foutre du water cooling à l'azote liquide, tu y vas. Mais... Non. Un petit 48Go de RAM, là. J'espère que t'as le bouclier tarifaire. Je sais même pas ce que c'est, le bouclier tarifaire. Moi, je suis prêt pour l'hiver. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Je vais recevoir ma facture d'électricité, les amis. Ça va piquer. Ça va vraiment piquer, pour le coup. Pourquoi le roster change tout le temps chez Youngtis? Parce que c'est les fils de pute. Voilà. Tu veux d'autres... Hein? Perso, j'ai un PC qui chauffe bien. Mon rêve serait de mettre sur le rebord de la fenêtre histoire qu'il chauffe dehors. Ouais, bah franchement, ouais. Moi, c'est un peu le cas au final. Avec la clim que j'ai mis derrière, du coup, elle extrait la chaleur. Ça extrait la chaleur, quoi. Mais ouais, donc j'arrive à tenir le studio à 24 degrés constant, mais... Je pense que R6 fait partie des FPS qui requiert le plus de game sense. Enfin, où le game sense est aussi important. Quoi? Ouais, bah oui, parce que... Enfin, game sense, c'est encore un bien grand mot pour... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut plus de vision de jeu ou moins de vision de jeu au football américain versus le football français? Enfin, le football normal, quoi. Je sais pas. En revanche, est-ce que c'est plus compliqué le football américain? Oui. Dans les règles, hein, machin. Donc je pense que c'est un peu pareil pour R6, quoi. R6, c'est un peu le football américain, quoi. Plus de règles, plus de trucs, quoi. Amnésie. De relax. Ok, va falloir que tu relaxes toi un petit peu.
T'es trop... Hein? Voilà quoi. J'ai besoin d'un Xanax. Ouais, prends un Xanax, fume du CBD et arrête de poser des questions alors que tu bosses dans le staff, espèce de petit trou du cul. Putain, la vache. Ah, ils nous ont pris des... la nouvelle tournée là, du staff de la Salty Academy, c'est quelque chose. 6-4, ah, c'est bon, ça me saoule, moi. Je veux pas d'enfants, donc c'est pas pour en avoir dans le staff, tu vois. Mais donc, pour revenir à la question, oui, R6, c'est juste que c'est un jeu plus compliqué, quoi. Donc, ça nécessite plus de... une capacité de multitasking, je pense, oui. Je pense. Donc, peut-être que... in extenso... il faut pour un joueur avoir plus de vision de jeu pour être bon que sur un autre jeu comme CSGO ou Valorant, quoi. Mais c'est plus subtil. Et puis on s'en fout, en fait. Je trouve qu'un jeu comme Valo requiert plus de sens de l'anticipation qu'un jeu comme Rainbow Six. Moi, je trouve que ce genre de débat, on dirait les mêmes débats que des piliers de bars alcooliques tenaient dans les PMU quand ils parlaient de football, alors qu'ils étaient tous obèses et qu'ils n'avaient jamais joué au foot de leur vie. Des mots comme game sense, sens de l'anticipation, des trucs un peu inventés par des personnes qui jouent pas vraiment au jeu, quoi. Voilà ce que... moi, c'est l'impression que ça me donne. Les gars. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je peux pas, les gars. Je me suis fait les croiser en 72. Je pense que l'essentiel est de trouver le jeu qui nous convient le mieux et on s'amuse le plus. Voilà, tout simplement. Un jeu où t'as une minimap, ça demande quoi? De savoir lire la minimap, je pense. Esport R6 est mieux à regarder que Valo CS, etc. Bah, malheureusement, j'aimerais être d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus, malheureusement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle R6 n'est pas au même niveau qu'un CS ou qu'un Valo sur des compétitions, parce que c'est plus compliqué à regarder. C'est comme ça. CS, c'est hyper simple à regarder, quoi. N'importe quelle personne qui n'a jamais joué à des jeux vidéo, en 6 minutes, tu lui expliques, même pas, en 30 secondes, tu lui expliquais le truc, quoi. R6 compatible avec amusement. Ah ouais, carrément. Non, mais après, c'est juste que quand tu joues à un jeu comme Valo, je trouve que tu dois plus réfléchir, etc. C'est ce que je voulais dire. Quoi? Et tu dois beaucoup, beaucoup plus réfléchir sur un jeu comme R6 ou sur un jeu comme League of Legends que sur Valorant, par exemple. C'est logique. Merci Ryo Saeba pour les 56 mois, nom de Dieu, ça nous rajeunit pas. Mon père a pris le nouveau tel et a pris le tel et il a vu le nouveau logo Twitter, il m'a regardé bizarrement. Je crois que le nouveau logo a été banni dans certains sites, dans certains pays, genre en Malaisie ou un truc comme ça, à cause du X.com. En même temps, quel débile Elon Musk. Lui, le mec, il va passer de... comme souvent, il va passer de mec adulé à mec détesté. Dans quelques années, tout le monde détestera Elon Musk, sera en mode « Oh, c'est bon, encore l'autre milliardaire débile. » Il y a déjà des gens qui ont pris le mug ou le t-shirt. Oh là là. Je suis pas vraiment d'accord, tu réfléchis tout autant sur Valorant. Est-ce que tu réfléchis tout autant sur Valorant Ouais, enfin, on s'en fout, en fait. Est-ce que tu réfléchis? Encore des discussions de comptoir. C'est pas pareil. Ça sert à rien de comparer le foot et le golf.
Yo, Willem. Bah, c'est normal que Valo soit plus difficile que CS à appréhender. Sur CS, t'as 3 grenades. Valo, c'est un mix avec Overwatch. CS plus Overwatch égale Valo, quoi. Dans les grandes lignes. Donc, par définition, sur CS, tu utilises 3 armes. Depuis 1999, tu utilises les 3 mêmes armes. 3 fucking armes. Grosso merdo. Le premier fils de pute qui commence à me casser les couilles en me disant « Ah, tu utilises le scout ?» Tu utilises 3 armes, c'est une façon de parler. Donc bien sûr. Et sur Valo, t'as des ultis, des machins, des trucs. Tous les gadgets sont les mêmes sur CS. Chaque personne a la même flash. Par exemple. Donc c'est pas pareil. Valo, c'est plus complexe puisqu'il y a un peu plus de choses à apprendre. Les maps sont aussi un tout petit peu plus complexes. Mais quand même, Rainbow Six, c'est encore un degré 10 fois supérieur pour le coup. Là, tu compares les dames et des échecs, quoi. Genre là, tu vois, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Je suis en train d'essayer de réfléchir sur la map sur laquelle on est au BP qui va être très probablement choisi. Et donc, en fonction de ce que mes potes sont en train de prendre, j'essaie de prendre un truc qui sera le plus adaptable dans la composition. À partir du moment où tu as déjà une logique de comp, tu rajoutes un layer de difficulté supplémentaire. Ta gueule, Slide. C'est parce que R6 c'est compliqué que tout le monde regarde du Valo. Hein? Oh là là, je sais pas, bleu. Je sais pas, les mecs. C'est parce qu'il y a un filet au volet que les gens préfèrent le football. Les gars, vous. Pourquoi vous utilisez pas les mêmes logiques au sport que celles que vous utilisez dans les jeux vidéo, quoi? Pourquoi vous utilisez pas dans les jeux vidéo les mêmes logiques que vous utilisez au sport, quoi? Pourquoi il y a toujours besoin de fucking comparer, en fait? Interrogation on me, interrogation, 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 interrogation. They always get so talkative before they bleed out. There was a drone behind, no? Ah ouais, tu meurs et tu regardes pas mon drone, quoi. Moi je me dis, regarde mon drone. Bah ouais, forcément. Ça c'est horrible, hein. Tu balances un drone, donc du coup tu te dis, ah bah quelqu'un le regarde. Et non. Personne ne le regarde. Ouh, il regarde visiblement pas plus mon drone que le sien, lui. Et au feeling d'armes, je trouve des mers incroyables. Juste, j'arrive pas à jouer avec ça. Ouais, c'est pas... Les DMR, pardon, c'est pas simple. Moi, j'ai mis du temps avant de... En règle générale, je les prends quand je suis chaud, ce qui est pas vraiment le cas, là. Tout à l'heure, j'ai pas cliqué, quoi. Ionica. Oula. Ouf. Oh, l'ouverture. À droite, droite. Hein. Là. Bah oui, oui, oui. Tu l'as entendu, frérot. Just behind the bomb. Oh là là, les gogolitos, là.
8 minutes pour une game comme ça. C'est quoi le moyen le plus opti pour ouvrir une fenêtre avec une arme comme tu fais? Il y a un pattern à suivre? Le moyen le plus opti pour ouvrir une fenêtre? Bah, tu tires dans la fenêtre en sachant que tu vas mettre 21 balles pour la casser et donc tu essaies d'en tirer 17-18 quoi. Donc du coup tu vas pouvoir reload et partir sur un chargeur neuf pour venir péter les 3-4 derniers coups qui restent. Puis après tu prends une ligne, t'attends qu'il y ait un débile qui saute, puis après il y a personne, puis tu balances ton drone, puis après tu retiens la ligne en étant en avancée au niveau du droning. Parce qu'il y a un mec qui va sauter quand il va balancer son drone. Oh, je vais faire un café les mecs après. Hein. Putain la vache. Ouais, soirée. Il vient de commencer le jeu, il est incroyable. Bienvenue poulet. Je fais partie de la bague de la Salty, je vais casser les fiacs. Qui n'a pas payé son sub? J'avoue. Le gars, je veux. I will find you. I will find you and I will kill you. Je t'avais jamais vu jouer Nock, il me semble, si. Merci Médoc pour les 36 mois de frais de scolarité. Un monstre. Tu m'as jamais vu jouer Nock? Non. Parce que j'aime bien m'amuser avec ce genre d'opérateur à l'heure actuelle, tu vois. Ça fait le café hein, en ce moment. Ah merde, on va être de l'autre côté. Le truc, c'est que j'ai pas besoin de ça pour faire des kills, tu vois. Donc je prends des trucs skill based, comme ça vous avez les kills que vous voulez. Parce que vous voulez voir des kills, forcément. Autrement, si tu veux me voir tryhard, bah dommage, mais je peux pas faire des kills, moi j'ai terminé les lignes. Donc je prendrai pas Nock. En toute logique. Bah normal, tu t'es fait enculer. There is still a camera. Voilà, j'ai tiré à peu près le nombre de balles qu'il fallait. 1, 2, 3, j'en ai tiré 18 comme je te disais. Je vais encore me faire niquer par la cave parce qu'on fait rien du tout. You say it's gonna be empty now. So far not to know. Je vous dis oui, exactement où il est pourtant. I'm fade away. Wow. Ouf, grosse décale. Is that Shaco? Quoi jouer? Ah l'autre il a live. En même temps, Skyscraper en attaque quoi. Putain il nous fait chier le jeu un peu, il a vraiment envie de le niquer quand même. Avec des débiles en fait. Tu veux faire quoi avec ça? Que veux-tu faire avec des débiles aussi? Oh! Il y a une solution.
J'y vais comme le plus gros des fils de pute. Ouais, allons juste par là, parce qu'on est débile et qu'on connaît pas le jeu. Vas-y, t'as raison. Kaverker, en ping, 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 ping. Mais faites un truc là! Parlez, putain de bande de fils de pute! Ah, j'en peux plus des gens qui sont nuls. Moi, tu me donnes les calls, je te les fais les kills si tu veux, y'a pas de problème, mais parlez quoi! Bah, niquez-vous. Mais ouais, mais niquez-vous, je le dis qu'il y en a un au top, vous y allez comme des gros débiles de fucking gold 2 là. On a zéro contrôle. Merci The King of Pigeon. Ah, c'est eux les King of Pigeon. Ah, qu'est-ce qui me casse les couilles, les gens. Ah, dans deux jours, eux, ils partent sur Valo en disant ouais, mais Rainbow Six, c'est trop compliqué. Après ça, j'y arrive pas. Je comprends pas. C'est ce cas, t'as pas des conseils pour être moins débile. En fait, il est là le problème. Tu penses que ce CS, c'est plus que Valorant, que machin? Non, c'est juste que Rainbow Six, ça demande un cerveau, en fait. Et Cryot a bien compris que les gens deviennent de plus en plus cons et que la majeure partie des joueurs ont entre 17 et 23 ans et qu'ils sont trop cons et, que là, et qu'il leur fallait un jeu débile avec deux boutons. Il faut vite que ce soit compréhensible facilement, quoi. Le jeu, il peut tourner sur un téléphone mobile? Ouais, on le sort. C'est ça, la vérité. Tu peux pas demander des jeux complexes. Personne ne veut de jeux difficiles au final. Les gens sont cons et ils ont pas envie de réfléchir. Et plus ça va, plus ils sont cons, plus on est cons, moins on a envie de réfléchir. Donc de facto, tous les jeux qui vont dans le sens du... Il y a un côté stratégique et tout. Stratégique, ouais, déjà ça fait plus de 3 syllabes, je suis du père frérot. Bon bah, va te faire enculer. On va revenir sur Pong. Ah oui, voilà, un vrai Pong. Attention, Six, tu es en live. Oh merde. Désolé, je voulais pas dire ça. En fait, je voulais dire, bah, chacun fait en fonction de ses capacités.
Mec qui rage. Aïe 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 aïe. Ta gueule toi, qu'est-ce qu'elle me fait chier elle aussi là. Je veux mes 5 subs. C'est quand le prochain live Salty Duel 3v3 6? Quand tu seras sub, gros fils de pute. Il n'y aura que du sel aujourd'hui. Je suis énervé. J'en ai ras le cul de vos questions débiles. Sub toi, flee déjà, paye 3,99, enculé, c'est quand les gna. Avant de demander au plus grand créateur de contenu de Rainbow Six que vous ayez eu la chance de connaître, à savoir moi, tu vois. Déjà, avant de lui demander quand est-ce que c'est, déjà, est-ce que vous vous demandez ce que vous, vous m'apportez? Voilà. Hein? Merde. Re, le plus grand créateur de contenu. Ah voilà, ça me fait plaisir d'être respecté à ma juste valeur. Qu'est-ce que tu fais toi? L'autre il a vu 3 vidéos de bikini bodies, fils de pute, il s'est dit on va faire un trou là. Je vais lui demander pourquoi. Ouais, t'as vu? Dis aussi? T'as vu frérot le trou de débile? Ouais, t'as raison, fais la toupie enculé. M'énerve. Merci Fli, voilà, bravo, 22 mois, enfin. Donc les prochains Salty Duel, ce sera sûrement du 2v2, ce sera le 19 août. Voilà, je réponds à ta question, tu vois. Un partout. Il n'a pas bu son café au... Non, je n'ai pas bu mon café, j'ai envie de boire un café, je suis un peu aigri là. GG, well played, mec. Let's go, let's not die. They are going to push main, main! Go, break the door! Shoot him, go! Revenge! Revenge, he's laying on the ground! Oh my god! Why? Shut up. Ah, j'ai envie d'être salé aujourd'hui. Oh, what? Shut up. You talking to me? Je vais leur pourrir leur game. J'en ai marre de ce jeu de merde. GG, well played. Don't pick, Molis. Solis, don't pick. One on ping. Ping 4. No, he's moving. Boss. Wait. Planting now. Not stopping. Oh my god! Go! Stop reloading! Go! Don't stop! Oh my god, you sucks! You pue du cul, mon gars! You... Stop, Rainbow Six! Il a l'air heureux le proviseur aujourd'hui. What? I can't hear you because I removed the sound of the music and there is still fucking music in this fucking game!
do you want to queue up? No, thanks. I love you guys. Have a nice day. Mec, il m'invite en groupe. Oh, pourquoi il a pas planté sur la table déjà? Les gens sont débiles. J'ai terminé MVP en revanche. On m'a demandé de finir MVP. J'ai fini MVP. Go cacao. Go, 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 les 5 subs. Go, cacao. Go, 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 les 5 subs. Il a payé. Il a payé les 5 subs. Envoyez des GG. Pour Go Cacao. Merci d'avoir offert la possibilité à Imagi, Dastro, Sparia, Lune et Shark, leur droit de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Cacao. Il m'a demandé de finir MVP, je termine MVP. Moi, je m'en bats les couilles derrière si on gagne, on perd. Je m'en fous, ok. MVP, MVP. Merci Frank Skyline pour les 11 mois. Un monstre poulet, vraiment. Je comprends mieux pourquoi il est content. Il est toujours content quand ça parle de thunes. Et voilà, exactement, Furanox, t'as compris. Ça s'appelle avoir un métier, les amis. Bande de fils de pute, là. Vous avez quoi comme métier, vous? Hein? Allô, 6-4, t'as peux-tu m'agouter sur... Mais Nathan, va te faire enculer. Écoute, Nathan, donne-moi 100 euros et je t'ajoute, ok? Tout est payable, d'accord? Vous me faites chier. J'en ai marre, moi. Quand est-ce que je peux mettre ma mère à l'abri? Ok? Livreur Amazon. C'était toi, fils de pute? Chômage. Putain, voilà, voilà, voilà. Un métier, t'es streamer, quoi. Ben, niquez-vous, j'ai jamais autant travaillé toute ma vie, quoi. Déjà, de devoir répondre à des questions cons dans le chat. Simpark, what the fuck are you doing with cafe? Nicky Voras! Jouer aux jeux vidéo est un métier? Oui, oui, tu sais, jouer aux jeux vidéo, parce que vous le dites comme ça les amis, mais jouer aux jeux vidéo, c'est un métier, ça s'appelle streamer, ok? Enculer des darons, c'est un métier, ça s'appelle acteur de films porno. Donc à chaque fois, vous pouvez le dire comme vous voulez, c'est trop simple quoi. Tripoter des boules toute la journée, ça s'appelle joueur professionnel de pétanque. Alors à chaque fois, vous allez dire, nan, c'est facile, hein, bah ouais, forcément, c'est pas un vrai métier ça. Regarde-moi, je fais quoi? Mec, nique ta mère! Toi, ok, tu mets en rayon des conserves, c'est chez Auchan, enculé. Moi, c'est un métier, ok? De devoir gérer tous ces débiles, là. C'est KT Sixoun, tu pars de la scène, de toute façon, non? Ben ouais, il n'y a plus d'argent. Pff, même plus de 2000 abonnés, là. 2000 balles. Putain, ça me vénère. Tiens, let's go. Go Valorant. Mais nique ta mère avec ton jeu de fils de pute, là! Vous me cassez les couilles avec Valorant, sérieusement! Valorant, je vais avoir 1500 viewers. Ils ont tous 12 ans, ces gros fils de pute, là. Ils ont pas un rond, d'accord? 1500 viewers, 300 subs. Oh bah super, dites donc. Avec que des questions du genre, t'es pas un peu trop vieux pour jouer au vieux? À partir de quel âge on perd ses réflexes? Y'a quoi sous ta casquette, enculé de ta race? Quoi couper? T'as les crampés, 6-4? Hier j'ai regardé Zen. Maxime Baggy, il est trop fort. Oh, c'est trop drôle, mon gars. Check un peu. La drip de mes chaussures à 400 euros. Désolé, j'ai pas d'argent pour le sub, fils de pute. Si, si, 7, équipe. Oh, franchement, Frisk Orléans, c'est trop bien, mon gars. Est-ce que t'as déjà écouté sa chanson qui fait... Boulou, boulou, zbrabraba. Si, j'ai incroyable les paroles, non? Meilleur lyrics que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Il dit vraiment des choses vraies. Franchement, j'ai de l'expérience, j'ai quand même 15 ans.
Allez tous vous faire enculer. Il y avait une partie de moi dans l'update, je regardais Oppenheimer hier avec des grands yeux en me disant j'aurais bien aimé en fait moi que l'atmosphère s'embrase, tu vois, et qu'ils crèvent tous là. Tous les joueurs de Fortnite et de Valorant. Salut, comment ça va Kalash? Bienvenue à toi sur le campus. Ça va? Tu passes une bonne journée? Bah moi aussi. Bam! Il y a un deuxième mur. GG! La ligne qui existe depuis 2017. C'est ma ligne ça! Petite ligne d'enculé. Si on tombe là, on se fait mal. Ah ouais, on se fait relativement mal, ouais. J'avoue, Fajou. Comment tu fais pour avoir ce skin d'arme? Oh, sorry, just scared me. Valo, ça pue. Mais non, mais Valo, c'est exceptionnel! Mais il a fallu forcément que Riot s'y mette et que ça devienne à la mode pour que ces gros fils de pute commencent à se dire hey, Counter-Strike, c'est bien! Parce que au final, Valorant, qu'est-ce que c'est? C'est fucking Counter-Strike, tu vois. Et ça fait des années qu'on leur dit non, franchement, c'est pas terrible. Franchement, c'est un jeu de vieux. Franchement, c'est un jeu de vieux. Ça, tu remets la même chose avec des skins, avec des couleurs, là, du rose, du fuchsia, nique ta mère et tout, machin. C'est la même chose. Et les gars, ils sont là. Franchement, Valorant, ça tue. De toute façon, c'est Gotagat qui l'a dit. Eh, tu connais Gibbs? Vous faire enculer. Je crèverais sur mon jeu. Bande de débiles. Ils sont jeunes, mais tu peux pas. Tu peux leur faire voler la carte de leur daron. Mais même leur daron, mec, tous les gens qui jouent à Valorant, leur daron, ils sont partis, je pense. Ouais, non, mais voilà. Je pense. Je me suis fait. J'ai bien réfléchi au truc. Je me suis dit, je pense que tous les enfants, tous les gens qui sont sur Valorant, déjà, un, c'est des enfants, et ils sont tous orphelins, je pense. Ah, le père, il a raté un truc, tu vois. Il aurait pu dire, fiston, tu vas pas jouer à ce jeu de fils de pute, là. Bah, tu joues à Counter-Strike, comme tout le monde. T'as une quéquette? Ouais. Bon, bah alors, tu mets des tactical reloading, ok. Tu vas prendre ton pit, tu vas sur la short, tu fermes ta gueule, ok. Tu commences à mettre des pop flash, et tu vas pas jouer à ton jeu de grosse fiotte. Voilà, ça, c'est un bon père, tu vois. Eh non, franchement, l'important, c'est que tu sois heureux dans la vie, Kevin. Fils de pute. Me regarde pas comme ça, toi, je te jure, je vais te TK. Pourquoi je suis passé là? C'est l'endroit à spawn kid ici. Balle perdue pour les Kevin. Kevin, tais-toi, les mecs. Vos pères vous aimaient pas, voilà, il est temps qu'on vous le dise sérieusement, vos pères vous détestaient, au plus profond d'eux-mêmes, vos pères, ils vous détestaient, d'accord? Un jour, ils ont voulu niquer votre daronne, ils l'ont niqué, votre daronne elle est arrivée, elle a dit bah, il y a un truc là, soit j'ai pris du poids, ce qui est possible, soit vraiment j'ai un enfant, tu vois. Qu'est-ce que tu fais toi, fils de pute là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? À pas me respecter là, on sait que t'es à droite là. Je vais te niquer, toi. Nique ta mère! Je vais tenir les petites lignes. L'énerve. C'est quoi ton prénom, toi? Benjamin. Mon prénom, c'est Benjamin. Présent. Enculé. À deux doigts de faire un one-man show. Parle pas de Fortnite, ça va encore plus l'énerver. Mais vous vous dites Fortnite, mais les gars, Valorant is the new Fortnite. Valorant is the new Fortnite, les gars. Franchement. Valorant, c'est Fortnite avec un peu plus de poils, quoi. C'est Fortnite à 15 ans. Ah, franchement, j'ai du vert, regarde. Fils de pute. Niquez-vous, franchement. T'as vu ce qu'ils font, Gentlemates? Ah, oh, c'est incroyable. Oh, c'est génial! Ouais, ouais, ouais. Ils ont une équipe, des millions. Bon, bah voilà quoi, super. Hein. C'est exceptionnel, fils de pute, va. Dis-moi, tu supportes le PSG en l'équipe de foot, non? Alors que t'habites dans le sud de la France, enculé. Bravo, grosse originalité, Titouan. Va bien niquer ta mère. Hey yo.
Yo, what's going on? L'autre il m'énerve, l'autre. Déjà un putain d'américain là. Avec sa fucking voix de il m'énerve à parler avec leur voice fry. Right, where are we going, boys? They're going basic. Why do every American people have to speak like that? What the fuck with the voice fry? Why? Yo, where are we going? I don't know. Did you smoke any fucking weed? Of course. No, you didn't. You fucking twat. So speak normally. Right, speak like everyone, okay? Stop like pretending right here, like stop with the deep voice, man. You're 17. I'm 14 actually. I mean, you sound a wee bit off your rocker, baby. Why? No, like seriously, why is the voice fry? You're ruining. Why is your mic so quiet? It's not so quiet, okay? Yeah, you see, this is your normal voice. This is your normal voice. When you laughed, you were like ha 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 ha. You were not like ah. You're not fucking Terminator. Bro, what are you smoking right now? Nothing. That's the problem. Ah, oh là là, les Américains avec leur voice fry là. Yeah, yeah, and I was like talking like that, and you know it's very deep and very. Ah, les meufs là, les meufs, j'ai envie de leur mettre des grandes tartes dans leur gueule dès qu'elles commencent à parler comme ça. It's very important for us, you know, to be talking like this. Putain d'enculé, tous les Américains là. Ah si putain, Oppenheimer, il pouvait pas faire une bombe un peu plus grosse que tu vois. Ah bah merde, ils sont tous morts. Hop. Fils de pute aussi là. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? L'autre il a vu 3 vidéos de Bikini Body là, yeah l'autre là. Franchement j'ai vu ça, Messi J, il fait les mêmes sorties. Ta gueule toi, Zyron Cast, me casse pas les couilles. Merci pour les 32 mois. Ah, bah, franchement, thank you so much, Messi J, for your spawn kill. Oh, trop bien, Messi J, mec. Vas-y. Where are they? Ah. Flash is on me. Okay. Allez, niquez-vous. Waouh, trop fort. On joue canal, contact shotgun, fils de pute. Yeah, we got our one. Yeah, okay, yeah, stop talking. Il m'énerve. Vous connaissez rien, de toute façon. La moitié d'entre vous, vous parlez 3 mots d'anglais, quoi. 6-4, il est trop drôle. My name is Titouane. Putain d'enculé. Ça aussi, j'en ai marre, là. Vous faites chier à être nul en anglais, franchement. Toute la nouvelle génération, là. 6-4, comment t'as fait pour apprendre l'anglais? Bah, je sais pas, enculé, quoi. J'étais pas en train de tripoter Julie, moi. À l'école. C1 ou C2? C'est quoi C1 ou C2? C'est quoi C1 ou C2, mec? Pourquoi tu me parles en langage? C'est une Citroën, ça. Mais lâche la veste des Titouans. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Titouans dans le chat. Les mecs, votre mère, elle vous déteste. Ouais, sachez-le. Les Titouans, vous allez jamais... Stop, je dis que ce poubelle! Là, il y a des Titans, ces deux, c'est bilingue. Mais ouais, mais moi, je suis bilingue, mon gars, trilingue. Et là, je me prends un one tap. Je
connais une, sa mère l'a abandonnée. Mais normal, ouais. Là, ça a cassé où? La vitre, elle est où? Putain, mais au secours, en plus canal, quoi. Tu crées de l'harcèlement, 6-4. Ah, l'harcèlement. Ah, je me suis fait harceler à l'école, les gars, franchement. Je suis déscolarisé, en plus, je suis dyslexique. Vous tous, là? Toute la classe. Putain, la vache, ça fait beaucoup, quand même. Vas-y, je le tente, pas de faire enculer, t'es à droite, toi. The bomb site, fils de pute. What do you mean? You're on the other side of the map. Yeah, because I'm trying to make it's called lurking. It's called lurking, you fucking twat. Like, you're on the bomb site. You cannot die. You got one kill lurking, dog. We are not going to be. Yeah, well, I killed someone. I killed someone. And I killed two people, by the way. Like, press tab, you fucking twat. I'm confused what the point is why you're talking right now. Because shut the fuck up, okay? Next time you just give me the call about where they are. You're mad as hell. I'm not. There's three other little silly billies who didn't say shit and got slammed before I died. Okay, cowboy. Yeah, that's a good one. Yeah, you gave me like. C'est la vieillesse, les enfants, ne vous en faites pas, ça va vous arriver un jour. Ouais, je pense que c'est fini là. La vieillesse, t'as vu comment je l'ai enculé l'autre là quand j'ai décalé? Il a rien vu. Je lui ai fait pam, terminé. Oh, tu penses que les réflexes ils commencent à partir à partir de quel âge? Je sais pas, mon gars, je sais pas. Moi, ils sont jamais partis, ok? Regarde, t'as vu le aim? Jamais, pas de problème. Ah ouais, il fait quoi ton drone là? Fils de pute. Nique ta mère. Tiens. Alors? Hein? Nique ta mère, on l'entend même pas arriver dans mon trou de balle, quoi. À quel moment? À quel moment là il est sans bruit là? À quel moment là les bruits de pas? Ils ont disparu, enculés d'Ubisoft de merde. À quel moment je l'entends pas? À quel moment j'entends un mec à droite et après là il y a trois bruits de pas? Je les entends pas, il y a pas de bruit de pas, fils de pute, quoi. Attends, on va accélérer le jeu. Yeah, ta gueule, toi, putain, Brockback Mountain. Faire chier lui aussi. Qui est-ce qui parle? La faute de Ubisoft. Bah oui, la faute de Ubisoft, enculé. Qui est-ce qui fait le jeu? C'est pas ma mère. Bon bah alors, one more. Nice try, bro. Love you. Non mais, en revanche, lui c'est le même qui a fait la même décale que tout à l'heure là.
ces décals elles sont cheloues. Avec le mot dit tout à l'heure, j'ai rien dit, mais bon. L'autre. En même temps, les replays sont tellement flingués. T'en penses quoi, diviseur point rouge? C'est le meilleur que Holo ou pas? Nique ta mère. Ok, va te faire enculer avec tes questions de merde. Voilà. Ta question, tu l'imprimes, tu la roules en boule, tu te l'accordes dans le cul, ok? Tu me fais pas chier, d'accord? T'en penses quoi de... J'en pense quoi des questions qui commencent par t'en penses quoi? Ça, j'en peux plus, sérieusement. Les gars, allez vous renseigner, bande d'enculés. Tapez ChatGPT, là. T'en penses quoi de... Il va vous répondre mieux que moi. Le pauvre, tu vas lui faire détester le jeu. Non, mais non, il a compris le second degré, l'autre en face. Oh, putain. T'en penses quoi des titouans? Je les encule, ok? Voilà. D'autres questions? Vas-y, donnez-moi les questions, là. Faites-moi chier, là, avec vos trucs de merde. Le second degré, les gars. Non, c'est pas du second degré, là, je dis la même chose. Hello, ta gueule, toi. T'en penses quoi des gens qui disent t'en penses quoi? Je les encule aussi. Ça dépend quel âge ils ont, non? Non. Franchement, je vais faire comme TK78, frérot. De toute façon, enculer des mineurs, c'est le seul truc qui va sauver ma carrière. Donc, c'est pas comme si ça allait la flinguer, hein. Faites pas genre, franchement, je pense que la cancel culture, bon, visiblement, c'est pas pour tout le monde, quoi. Donc envoyez-moi des mineurs. Merci, Papo, nouvel étudiant du campus. T'en penses quoi, qu'il y ait des gens qui regardent des streams aux toilettes? T'en penses quoi, des agriculteurs? Vous êtes trop con. J'en pense que vous êtes trop con. Vous me saoulez. Je suis sûr que je suis retombé avec l'autre débile. Un étudiant de 38 ans, mais de rien. Ah ouais, mais alors on peut être étudiant à 38 ans, papo. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des gens, ils ont 56 ans ici sur le chat. T'en penses quoi de la marque Renault? Mais qu'est-ce que vous me faites chier avec vos questions débiles là? Vous voulez pas arrêter? Putain, les streams américains, à chaque fois c'est des wow, des wah, des machins, des trucs, des emojis. Nous, à chaque fois, c'est un. Franchement, j'ai un problème avec mon ex. Mais nique ta mère, je suis pas psy, mon gars! Que penses-tu de Valorant? Est-ce que tu penses que Rainbow Six sera toujours là l'année prochaine ou c'est plutôt la fin? Oh putain. Allez vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Hello! There's a cheater on the other team and he's smelly. Like, who is Wallach it? Or Aimbot Blatant? How do you know? Yeah, I'm Monkey Rooney. Oh yeah, I'm last game. Is he actually cheating? Yeah, legit, 100%. Legit, yeah. He's advertising. Ah, y'a un cheater. T'as besoin d'une belle psy, Six. Time to win that shit. What? L'accent horrible de ce mec. On aurait dit Messi J. Right. Il est en live ou quoi? Un R6 2.0, ferme ta gueule toi, et un sub 2.0, quand est-ce que je vois déjà la première version de ton sub, enculé va. Yo, I need you to move so I can place this, please. Oh, ils vont commencer à m'énerver. Alors là, je suis tombé, ah là, ça c'est la squad là de... can you please do that to me? Thank you so much. No, you. Ah là, je préfère qu'on me sorte son gueule en fait quoi, je suis pas né au bon siècle, je suis pas né au bon endroit quoi, le siècle de la bienveillance absolue là. Oh non, franchement, frérot, je te suce la bite quand? Tout à l'heure ou? M'énerve. T'en penses quoi des murs qui sont porteurs? Bon, y'a un cheater en face, d'accord?
d'après l'autre, puisqu'il balance des pubs. Ah ouais, ok, effectivement. Il est fort. Hop là, il me voit, il me regarde. Amazing. T'es trop fort, fils de pute. Encore un mec qui a joué à Valo. Encore un gamin de 13 ans qui s'est fait enculer là sur Rainbow Six, qui a fait ah, franchement, j'ai téléchargé un titre, frère. Bah ouais, frère. Tu sais pas, 6-4, peut-être qu'il ne cheat pas. Tu as vu non, franchement, peut-être qu'il est juste très très bon. Peut-être que c'est toi qui n'es pas bon et pas adapté par rapport au jeu. Lol, 6-4, t'es rincé. À quand la vidéo flow-up? À quand tu fermes ta gueule et tu me laisses faire mon contenu et je fais ce que je veux et que t'arrêtes de poser des questions, mec? Drizix, là. Je suis content d'avoir soutenu ce créateur en regardant des pubs. Mec, ça me rapporte 20 euros par mois, les pubs. Ok ? Là, si je pouvais les enlever, les pubs, franchement, je serais bien content, quoi. Vas-y, mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Pourquoi je joue, là ? Allez tous vous faire enculer. Il est arrivé par où, ce fils de pute ? Vas-y, on va tenter des trucs, hein, parce que bon... Putain, à l'époque, là, c'était ouvert, on pouvait balancer des C4 de ouf, là, putain. Je veux faire quoi, sérieux? Comme ça, je peux être champion. Ouais, frère, t'as vu? Je suis champion, mec. C'est hyper important d'être champion dans ma vie. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là là. Ah, c'est les mêmes. Il y en a un, c'est le même que tout à l'heure. Le même spray, là. Et si je leave la game, c'est moi qui me fais punir, quoi. Ubisoft Logic. Il est où, mon ban? Il arrive. Il a mal tapé. Il est débile. Il a pas vu que c'était pas des hauts et il a mis des zéros. Du coup, Zago vient de perdre 15 000 points de sa chaîne. Parce qu'il est con comme une bite. Oh, Zago, Zago, Zago. Oh là là, Zago. Yes, please, thanks. Aïe, 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 aïe. C'est ma faute. Bah ouais, si tu as Cynthia 2812 là. Non mais honnêtement, c'est quoi le pire prénom, les mecs? C'est quoi le pire prénom de merde? On est tous d'accord que Titouan, ça pue bien du cul quand même, non? 1 more salty fan. Catherine. Mais nique ta mère, ma mère s'appelle Catherine, enculée. Donatien. Timothée. Mais ça va, Timothée. Dylan. Pierre, mais tu peux pas reprocher à Pierre, Pierre, mon gars, Pierre, Pierre, c'est là depuis longtemps, quoi. Pierre, c'est gravé dans la roche, lol. Céliane.
Nathanael, c'est le nouveau truc ou quoi, Nathanael? Oh, Nathanael, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Nathanael. Ouais, mon fils s'appelle Nathanael. Mais sans H et avec deux L. Oh, ouais, ouais. Écoute, Julie, ferme ta gueule. Nous fait pas chier, gars. RTX, Nolan, Jean Moulin. Ouais, Clitorine. Non, RTX 2090. Ah, ça, c'est le nom de la fille de... d'Elon Musk. Tu connais Seven? Ouais, le film avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et... merde, je sais plus comment il s'appelle. Kevin Spacey. Apache AH64. Ferme ta gueule, Yayo. Tu joues à quoi, Yayo, en ce moment? Mec, j'ai envie de rejouer à Armory Forger. J'ai envie de refaire des Armory Forger où les gens téléchargent le jeu et où on fait vivre une expérience de ouf à des gens. Je m'appelle Loni, L-O-N-Y. Tu penses que mes parents m'aimaient? Loni. Loni. Mais ils voulaient t'appeler Johnny, non? Ils se sont foirés. Loni. C'est moche, hein, mec. Oh, franchement, bon courage, hein, parce que là, franchement, il va falloir porter ça toute ta life, quoi. Loni. Ah. Loni que ta mère, ouais. C'est nul, hein. Adolphe, ça a mal vieilli. Moi, si j'avais un fils, je l'appelais Adolphe. Juste pour le kiff, tu vois. Juste pour la blague. Ce serait incroyable, franchement. À l'école, il ferait fureur. Tu m'as toujours pas répondu avec ou sans mode. Non, mais Yayo. Je sais pas, un truc simple où on s'amuse, un truc qui marche. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la fiabilité, mec. Il me faut un truc fiable. J'aime les gens fiables. J'aime les choses fiables. J'aime les choses fiables, voilà. C'est pour ça que je joue à Rainbow Six. Un jeu d'une fiabilité absolue. Voilà. Ok, bon, je verrai ça plus tard. Pourquoi Tony s'est ban? À cause d'un fils de pute. Silverster, horrible comme nom. What? Ah ah ah, qui a dit qu'à l'école il ferait fureur? Lol. Usk. Tu peux pas, grâce au gouvernement. Comment ça tu peux pas? Tu peux pas appeler ton fils Adolphe? Ah ouais. Ah, ça me rappelle. Ça me rappelle, le gouvernement avait interdit des parents qui s'appelaient Monsieur et Madame Renault d'appeler leur fille Meghan dans les années 90. Faut vraiment être le plus gros des fils de pute pour appeler sa fille Meghan quand tu t'appelles Renault quand même. Quel est le but du jeu, tu sais? Vraiment de lui niquer sa life, quoi. C'est-à-dire, bannière, je te voulais pas, connasse, donc je vais te pourrir la vie, hein. C'était passé aux infos. Je m'en rappelle, ouais, c'était passé sur West France. Putain. Judas. Ouais, franchement, j'aurais des enfants, je les appellerais Judas, Adolphe. Donald. Ouais, des mecs bien. Et Poutine. Ouais, comme ça, tu vois. Personne les fait chier, tu vois. Personne les fait chier. Personne les fait chier. Bon, personne leur parle non plus, mais bon, on s'en fout. Là. Déjà que le nom Meghan est naze, j'avoue. Il y a deux jumelles, ils les ont appelées Clara et Morgan. C'est pas une blague. Non, mais ça, tu vois tout à fait le père en plus. Hein. Ça, c'est le père en claquette, un peu obèse. Quelques tatouages, on le voit le bidochon là. Aïe aïe aïe. La caravane, je le vois le mec. Je le connais pas, je le vois. Je vois à quoi il ressemble. Aïe aïe aïe. Geoffrey, horrible aussi, bordel. Geoffrey, ça va. Des parents ont voulu appeler leur enfant Mini Cooper.
Depuis, le nom est banni. Mini Cooper. Moi, j'ai perdu toute foi en l'humanité, de toute façon. C'est terminé. Le père, le short sale, plein de gras, la clope au bec devant le barbecue de saucisse le dimanche midi. Aïe, 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 je le vois, lui. Aïe, là ! Petite pétanque ! Petite pétanque. Ouais, je sais pas, parce que je veux aller faire du Jagged Alliance, mais vous voulez pas que je fasse du Jagged Alliance, donc bon, voilà quoi. En Belgique, il y a beaucoup de ventes de putes. Mais mon ancien banquier, il s'appelait Thomas Vend de Putes. À une lettre près, on aurait pu être bien copains quand même. Thomas vendait putes, à la limite j'aurais écouté ses mails, tu vois. Mais là, il me vendait que des contrats. Bon. Il y a vraiment une liste de prénoms bannis. D'abord, dedans, il y a Babor et Tribord. C'est vrai? Fait du Elden Ring. Drin 77. Elden Ring, c'est fait pour les gros geeks. Ok? Des gens qui ont joué à League of Legends dans leur vie, quoi. D'accord? Des gens qui ont 35 ans, pas de relations sexuelles. D'accord? Le vrai mâle alpha, il joue à des FPS. Là, il est temps qu'on le dise, ça aussi. Il est temps qu'on le dise, ok? Il joue pas à des putains de jeux mobiles. Il joue pas à Elden Ring en disant « Franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est dur. » Ok? Est-ce qu'il y a des petits tactical reloading? Non. Est-ce qu'il y a des arcs et des flèches et des elfes et des trucs? Oui. Donc, c'est de la merde. Voilà. Ah, j'ai tout dit. Ah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Cherchez pas, les gars. Vas-y, toi. Mais non, j'y vais pas. Mon enfant s'appellera 6-4. Je suis sûr, il y en a, ils vont le faire un jour. Oh, Skyscraper en attaque. Franchement, ça fait extrêmement plaisir en 4v5. Alors, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas comme si c'était exactement le même qu'il y a deux games, quoi. Et les joueurs de Truck Simulator. Il y a SnowRunner, tu vois. Au moins, tu peux jouer, tu vois, à SnowRunner. À SnowRunner, tu vois, il y a des trucs sympas, tu vois. Il y a une physique de ouf et tout. Mais les gens qui jouent à Euro Truck Simulator... Honnêtement, voilà. Ça va peut-être passer. Moi, les gens qui jouent à Euro Truck Simulator, je leur enlève le droit de vote. Pas le droit de vote, pas le droit de se reproduire. Déjà, je fais un permis à la reproduction. Putain, avec un code à passer. Et le mec qui joue à Euro Truck Simulator, ah bah ça c'est définitif ça. Ah ouais, bah vous avez joué à Euro Truck Simulator, Elden Ring. Ah non frérot, vous allez pas vous reproduire s'il vous plaît, franchement. Personne ne vote votre gamin. Voilà, c'est tout. Et reste tranquille toi là, qu'est-ce qui t'arrive back-back? Euro Truck en Marcel en écoutant du Johnny. Tous les gens qui jouent à Euro Truck Simulator, comme Backback, etc., tu vois, les mecs comme Kamak, tous, ils ont quelque chose en commun. Ils ont tous quelque chose en commun. Vous savez c'est quoi? Ils sont extrêmement frustrés de puer la merde au FPS. Ils puent la merde dans les FPS. Ça, c'est incroyable, tu vois. Ça, c'est incroyable. Euro Truck Simulator, c'est un peu comme le yoga et les sportifs, quoi. Les gens qui font du yoga, c'est parce qu'au final, ils ont jamais été vraiment très bons au sport, quoi, tu vois. Et enfin, je fais du sport, du yoga. Non, nique ta mère, tu fais des trucs, là. Des figures géométriques, tu fais pas du sport. Donc, ta gueule. Quelque part. Franchement. SnowRunner, c'est quasi pareil. Eh ben, c'est là que tu te trompes, docteur Bédo. Et que tu dois être encore foncedé, fils de pute. SnowRunner, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Parce qu'il y a une partie de physics qui est incroyable sur SnowRunner. Et sur Euro Truck Simulator, Mais nique ta mère, toi! C'est une tête! Les gars,
est-ce que vous avez déjà vu des reportages sur des routiers en vous disant putain j'aimerais bien faire ça dans ma vie? Non. Est-ce que t'as déjà vu les routiers de l'extrême là et tu t'es dit putain ça va être incroyable quand même partir en Alaska et tout dans la neige là. Putain ça c'est un vrai truc de bonhomme ça, ok? Pas de bonhomme qui s'habille en jogging toute la journée là. De vrais bonhommes les gars, de vrais bonhommes. Avec des grosses coronettes. Tu vois ça là? Ça c'est pas des moves 39 piges le mec. 39 piges enculé de ta race. Tu vois? Ça c'est pas des moves. Ça c'est des. Là les gens qui jouent à Euro Truck Simulator, ils regardent ça, ils font comment il a fait? Leur cerveau il peut pas. Tu vois? Et non, moi je préfère être dans un camion. Tu vois? C'est tout. N'est-ce pas, back-back? T'en penses quoi des joueurs de World of Tanks? Je peux rien dire, les amis, sur les joueurs de World of Tanks, parce qu'à l'heure actuelle, il y a Black Apache. C'est un joueur pro de World of Tanks. Genre Kevin pour les intimes. C'est celui qui fait toutes mes... C'est celui qui customise mes répliques airsoft. Et il y en a une qui est en réparation chez lui à l'heure actuelle. Je trouvais qu'elle... pas assez. Donc du coup, je peux rien dire, autrement il va la niquer, tu vois. Mary, il était tout à l'heure en plus. Il y était tout à l'heure en plus. Sur quoi? Sur Euro Truck? Non. Le film Over the Top. Mais c'est quoi Over the Top, Docteur Bédo? T'as 15 ans, frérot, t'as des références de merde. C'est quoi Over the Top? On perd pas les réflexes au bout d'un moment? Demande à ta mère, ok? Si j'ai perdu les réflexes hier soir quand je les banque pendant tout... Demande-lui. Incroyable. C'est le film avec Tonton Stallone. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler de Tonton Stallone, les mecs? Ça fait 20 ans qu'il devrait arrêter de faire des films. Les gars, chaque fois qu'il fait des films, il combat son arthrose. Office, non? Non mais c'est un vieux film. Bah les couilles! Arrêtez avec vos films de merde. Mec, je sais même pas à quoi il arrive où ce truc. Merci Hecto pour les 6 mois de frais de scolarité. Ping ping!
gratte le nez. C'est la coke, ça. Keep shooting, break the door. Shoot, break the door. Changing mag. Ouais, ouais. Je reconnais, j'ai le même problème. C'est quoi ça, le... C'est quoi cet Imo ST782-6? Ça va la santé, j'avoue qu'avec ton âge et entre les chaleurs qu'on a eues en juin, j'ai peur de plus jamais avoir revoir au stream. Eh toi, ça va la santé, enculé de backpack, mon gars, t'es multimilliardaire et tu prends pas, tu mets pas de sub là. Ça va ou quoi? Enculé. Et j'ai aucun problème de santé, moi. À part le limbago que je me suis fait en début de semaine. Je vous laisse, je vais manger, bon live. Nicolas, et... Ok, enfin, t'es pas obligé de nous le dire, tu vois, Nicolas. Je veux être sub, ma mère veut pas. File-moi ton numéro sur Discord, je l'appelle ta mère, je la gère en 3 minutes. En live. Je donnerai pas de numéro, t'inquiète, je te jure. Je te jure. Ta mère, elle voudra faire tout ce que tu veux. Dis-moi, dis-moi. N'importe quoi. J'ai déjà négocié un PC en live pour un mec qui me disait, ouais, il avait 14 ans et son père disait, il veut pas de PC et tout, mon père veut pas payer le PC. Négocier le PC. Dites-moi, dites-moi, je peux convaincre qui vous voulez. Je suis un monstre. T'es devenu Aigri Six depuis que les héros sont terminés. Non, je me sens enfin relâché de cette pression de devoir regarder des débiles qui maltraitent le jeu que j'aime tant. Voilà, c'est la vérité ça. Putain, on a regardé les Salty Duel 3v3, sérieusement. Qu'est-ce que vous sentez la croquette, hein. C'est chaud quand même, les gars. Et vous pourrez pas mettre ça sous le coup de l'âge, hein, tu vois. Regarde. Et je suis un des streamers qui joue moins au jeu, ça se trouve, tu vois. Ah ouais, je peux pas jouer au jeu et organiser des trucs comme ça. Toujours aussi beau qu'hier, toi. Quoi ? Viens pas me challenge, mon gars, t'as pas le level, je te le dis, moi. Je me fais la zamie, j'ai vu ça, franchement, sur une vidéo de Spoit. Mais je l'encule, moi, Spoit, moi, je le prends 1v1, là, tous les jours, je le bouffe au petit-déj. Vas-y, décale dans le couloir, toi, tu vas prendre le plus grand travers de l'histoire du travers, je te le dis tout de suite. Nique ta mère! Bien de bon, bien de bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se met? Ah ouais. Yeah, dead, dead, dead. And the last one is somewhere. Let's see what they're up to. On my ping, on my ping, on my ping. On the ping, 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 ping. Red, 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 red. Nice! Ah, enfin, Backback qui paye ses droits de scolarité, bravo. Alors que Backback est multimillionnaire, les mecs. Multimillionnaire. Il paye un sub, quoi. 3,99. Le rat.
Merci pour les 25 mois. Ah, je pète un câble. 4v5, on les nique. Hein. Tes réflexes sont lents. Baisse-toi, toi. Les solti duels monstrueux. Ouais, c'était ok. C'était ok. La prod était ok. Six, pourrais-tu avoir la gentillesse de calmer la vulgarité? J'ai mes enfants à côté, please. Je les en... Ah non. Ça me rappelle quand on était sur WoW, au tout début. On est en 2008, on est sur WoW. N'écoutez pas ce que je vais vous dire. Donc je suis... si vous avez déjà joué à WoW, si vous avez plus de 30 ans, vous me connaissez sous un autre pseudo. Les gens me connaissent pas, mais... genre un mec comme Zerator connaît par exemple. Il peut pas me blairer pour le fait d'avoir été GM de Overall au début de WoW sur Archemond. Bref, on s'en bat les couilles. C'était Yarel du coup. YYARL. Ok. Donc, et à l'époque, j'étais le GM d'une guilde qui s'appelait Overall. Mais nous, on venait de CS, donc on était dans le troll tout le temps. Le but du jeu, c'était d'être toujours des fucking trolls. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, il y a une nouvelle recrue qui arrive et il avait une gamine de 2-3 ans, quoi. Et à chaque fois, tous les jours, il était là. Oh. Comment elle s'appelait déjà? Max. Je sais plus, on va l'appeler Julie, sa gamine. Il y a Julie qui veut vous dire bonjour. Oh, franchement, ça nous fait plaisir. Vas-y, passe-la nous. Allez, je vous mets le casque. Il lui mettait le casque. Et là, il y avait que des horreurs qui partaient. C'était horrible. T'entendais. Ah, ton père est un salaud, il trompe ta mère. Elle devait avoir 2 ans, 3 ans. Oh, l'horreur. Elle devait avoir 2-3 ans. Ah! Apparemment, sa mine, elle se décomposait et il rendait le casque et nous, on était « Oh, elle est trop mignonne et tout !» Oh, je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais franchement, elle serait devenue influenceuse, que ça m'étonnerait pas. Oh putain, on était vraiment des gros fils de pute, quoi. Elle était là « Ah, ah, ton père trompe ta mère. Ah, petite pute, petite pute !» C'était horrible, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, j'ai toujours été transparent. Bon voilà, c'était une erreur. On était jeunes. Oh mon dieu, l'horreur. Ah, pourquoi j'ai pas d'enfant, hein, c'est normal. Jamais, jamais. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Un scandale. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu m'étonnes pourquoi un mec comme Zerator nous aimait pas trop à l'époque. Rotation! Ah, t'es trop un monstre, mec! Clac, clac, clac! Je le baise. 2-3 ans, gros. Non, mais on était jeunes, on faisait des conneries! Vous avez jamais fait de conneries! Moi, je veux pas tomber dans l'espèce de facilité là du politiquement correct de pas dire que j'ai fait des conneries dans le passé. Ah, voilà quoi. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Je suis désolé, le seul truc dont je me souviens maintenant, c'est que c'était extrêmement drôle quand même, quoi. Oh, la pauvre! Aïe aïe aïe. On était les pires. Elle est pas sur tes streams, ça c'est sûr. Mais quel FDP. Oh, elle a été choquée à vie, je pense. Le pire, je crois que c'est le mec qui s'appelait Maevana et je pense que j'ai toujours son numéro de téléphone. Un jour je l'appellerai. Christophe, je me souviens de son son. Ah non, j'ai pas. Vas-y.
Juste pour dire qu'il y a des FDP quoi. Je me rappelle sur Rouge Tryhardel niveau max et après j'allais spawn kill les niveaux 1 jusqu'à la déconnexion. C'est un mensonge. Là t'es en train de faire ton... ton comment il s'appelle? Let's go office guys. Mira, mute. Solace, I will take Solace. Fenrir, stop with the pulse. Pulse sucks, man. Ouais, j'ai 4 kills, je peux rien lui dire. Il est temps de s'excuser. Non! Va sauver Mary, il joue à Destiny, là. Comment t'es encore célibataire, mec? Trop beau, trop de répartie, ça doit être cool de parler avec toi. La vérité, j'ai un sexe énorme. C'est un syndrome, le mec. Je vais aller en rigoler, je sais, parce que ça fait vachement rire, nanana. Mais j'ai vraiment... C'est très très problématique, ça a toujours été un gros handicap dans ma vie. J'ai une énorme tub. Et vous pouvez pas comprendre, surtout ceux qui jouent à Valorant du coup. Mais c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que je suis célibataire. À votre avis, 6-4, ça vient d'où? Vous avez vraiment cru que ça venait de l'hélicoptère? Vous êtes crédule. Bande de candides. Yayo, qu'est-ce qui t'arrive là? Je te rappelle que tu bosses pour quelqu'un qui a des enfants quand même. Mais ouais, mais allez, lui il est bien. Et il fait que de me regarder! À travers le truc là. Vas-y, bon, allez, je me casse. On va lancer le truc parce qu'on sait un petit peu qu'il est en bas à gauche, mais on va faire semblant. Ouais, ouais, je lance, vous inquiétez pas, je lance une autre game. Ah non, mais eh, franchement, il y en a sur la partie célibat. Je lance une autre game, vous inquiétez pas. Parce que entre les cheaters et les streamers, ça me casse. Allez, log out. Mon compte Tonti, je fais 6-4. What? Yo. Tu diras une fourchette de tes revenus par mois un jour. Je l'ai déjà dit plein de fois. Donc fais pas genre un jour comme si tu passais souvent sur le live. Parce que là, tu viens d'avouer au final que tu passes pas souvent sur le live. Tu vois ce que je veux dire? Une fourchette de mes revenus. Genre, c'est pas comme si c'était pas la première... Ah bah non, mais faut qu'on aille voir la vidéo, putain. Bougez pas.